Non, je vous rencontre, je t'ai invité, c'est comme d'affaires. Donc, je suppose que c'est comme homme d'affaires que vous recevez. Moi, pas un chapeau politique, moi, pas un homme politique, malgré que vous insistez que, ouais, effectivement, que moi, très présent sur les réseaux sociaux, spécialement Twitter, vous que moi, interagis en pile avec monde, que vous avez position sur un pile bagaille, et moi, exprimer position clairement sur les réseaux, en tant qu'haïtien. Et donc, et c'est comme homme d'affaires, moi, pensez que vous avez invité. Je suppose que comme il y a un problème dans le forum économique, là, je vous dis à nous qui s'agrivait. Donc, vous avez cherché des hommes d'affaires, de différents hommes d'affaires, vous avez invité plusieurs, et c'est dans le cadre de ça que nous parlons. Donc, c'est comme position, homme d'affaires. Oui, position, qui position par rapport à arrêter ou départ président? Bon, son question qui sensible en pile, parce que avant tout, son homme d'affaires, vous dites. Moi, pas un politicien qui supposait gagner une position que moi, je voulais aller ou je voulais le rester. Ce n'est pas un rôle, pas moi. Plus, je pense que c'est un rôle population pour dire ça, le penser parce que c'est lui qui a voté. Moi, pas gagner pour me voulais ou me pas voulais. Seulement, s'il a fait un mauvais travail, il faut que je l'aide. Seulement, s'il a dit des débats qui n'est pas correct, il faut qu'il corrige, il faut qu'il dise ça n'est pas normal, ça n'est pas bon. Et je pense que ça fait 2 ans et demi que. Il y a eu trop de propagande. Le président, pendant 2 ans et demi, au lieu que lui mette moun avec lui, moun autour de lui a mis moun en face. Il a dit des bagages qui n'est pas correct, il a attaqué un pile moun dans le secteur privé. Il a cherché des boucs émissaires pour tout échec. Et ça n'a pas correct. Je ne veux dire, au lieu de faire population bien à secteur privé, il fait de façon à ce que la population en face du secteur privé. Et c'est ça qui arrive ces derniers temps, qui fait le secteur privé après toute frappe ça. C'est parce que pouvoir en place là voulait montrer que le secteur privé c'est ennemi population. Alors que ce n'est pas vrai. Le secteur privé n'a pas ennemi population. Il y a des erreurs, il y a des barrières, il y a des parfaits. D'un coup, il y a des respecter la loi sur le salaire minimum qui m'a dit augmenter. Il y a des barrières qui n'ont pas de droit d'entrer là-dedans. On a, c'est pour employer. Donc, il y a des barrières, salaire minimum. Textile, là, moi, je comprends qu'il y a des contrats avec l'autre. Là, parler de l'ONA, est-ce qu'on fait référence à M. Boulos ou bien à M. Latortue ou bien au Dieu à la fois? Je ne fais pas référence ni à l'un ni à l'autre parce que je n'ai pas aucun problème avec ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, dans le cas de M. Boulos, là, au moins, M. repayé lui-même. Et moi, je crois d'après le papier, M. dit que M. Latortue repayait tout. Pendant que des centaines de l'autre monde qui ne permettaient pas de dehors, je serais en dedans, qui n'ont pas payé depuis 15 ans lui-même, qui n'ont jamais payé. Donc, je ne vais pas faire référence à tout le monde qui a payé eux-mêmes. Monsieur Fob, si monsieur comprend ce que là, ou c'est compréhension pas, ou on peut dire si c'est juste ou pas, et, ou pas pour départ, mais plutôt des pressions faites sur le président pour rectifier le tir, pour corriger ses agissements. Et c'est comme ça que je comprends le discours là. Non, pas fait ça. On fait très mauvaise analyse. Non, mais c'est ça que je me dis, s'il n'est pas correct, ou à dire. Non, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Moi, je dis. C'est la population qui a dit s'il pour départ ou non. Ce n'est pas un individu qui a positionné le film, voulait aller ou non. Des politiciens qui ont des partis politiques qui ont fait ce position, n'ont pas ressorti. Moi-même, en privé, je me suis demandé, je ne pas aimé que la rue a pensé que c'est moins que le pour aller ou non. Ok, comme nous en privé, là, qui position? Pardon? Comme nous 13 en privé, mais il y a des millions de monde peut-être qui attendent là, quelle est votre position sur cette question, M. Bon? Bon, je pense que la population parle déjà. Et comme a dit, toutes les notes qui sont sorties, et la population a un désir et la population n'est pas satisfaite. Donc maintenant, je ne suis pas pour un coup d'État. Je suis certainement contre un coup d'État. Je suis un démocrate. Le président, d'après la Constitution, a le droit de démissionner s'il sentit qu'il voulait ou s'il sentit qu'il parle à la hauteur. Je pense que, pas là, non, mais président, non. C'est lui-même qui t'a dû aider nous, aider ce pays à sortir dans sa lière. Mettez-le à la hauteur pour l'aider. Okay. Aider nous, jouer une solution pour nous résoudre le problème une fois pour toutes. Parce que même yo toujours dit que ce n'est pas faute, c'est faute système. Monsieur Fob, qui sont les coups d'État, puisque mobilisation, c'est y a exigé démission, président. C'est ça, mon cas. Mais qui sont les coups d'État eux-mêmes? Exiger démission, il n'y a pas mettre le dehors, non? Un coup d'État, c'est l'envie pour un monde par force, mettre le dehors.
Quel monde dit un projet coup d'état là? Exiger la démission. Quel monde dit un projet coup d'état souterrain, monsieur Bob? Ah, ça c'est pas un pareil, moi je me balade de base. Vous continuez dans le projet coup d'état. Mais qui est? Les femmes sont démocrates. Qui est-ce qui est dans le projet ça? Bah, on est, c'est vous-même qui dit que mon projet coup d'état. Non, Mado, est-ce que vous projet coup d'état souterrain? Non, bah, au courant, bah, on est. Mais en même temps, tout, là, Autotika, c'est par être langue de bois, sous position claire d'avoir fixé pour aller au compte président Jovenel Moïse. Mais en pile, moun mette dans la catégorie moun qui compte pouvoir. Oui? Bon, c'est bien doué, parce que depuis moun wap dit, ça moun pas voulu tendre, yo du compte, alors que yo pas pensé, yo pas dans la tête, yo pas ouais, c'est pour yo, moun wap essayé corriger yo. C'est pas parce qu'on dit petit tout, pas manger bonbon qu'on compte, non. C'est pas parce qu'on dit petit tout, pigal sautant, bal kakasse, c'est qui qu'on compte. C'est qu'on ou pas le faire mauvais route. Maintenant, yon même yon choisi continuer à attaquer ou yon continue pour mais contre soi. Si yon, eh bien, journée, jour, yon vivait côté yon. Mais ça, tout d'un petit tout gâté. Parce que ou quitte le manger bonbon, il continue à manger même l'autre, non, il va gagner dans un bouchon encore, évidemment, mec. Est-ce que c'est faux tout, qu'il va gagner dans un bouchon encore, non? Ok. Mais c'est en même temps, nous, et hostilité ça li de part et d'autre et bon côté pour et bon côté pouvoir de temps en temps yon bay l'autre frappe mba jambe bay frappe moi parle vérité moi dit des choses qui sont vraies les yo bay menti sou moi démenti yo et me vin avec preuve moi crois qu'on ka témoigner dans dossier que t'a pour remonter sou moi vin avec toute preuve sou tout ça yo dit pour montrer que c'était faux des bay que t'a raconté qui pas vrai donc moi même moi pas jambe voye monter par contre côté ou après me dit un bagage qui pas de corps donc me bat dans hostilité non OK et même m'a prendre des positions correctes et me t'arrêmer que nous suivre route correcte maintenant élément de langage de monde qui proche pouvoir et des messages circulés sur les réseaux sociaux indiquer que ou gon alliance avec monsieur Reginald Boulos et ou a financer la rue maintenant m'ta même une réponse sur ça parce que gain auditeur vous demander est-ce que monsieur Vob sincère elle dit il pas aimer et il a crasé à faire monde en aller oh moi sincère il crasé à faire tous les deux business me proche donc monsieur Boulos tout était il était boulé de l'imap il crasé Nissan moi dernièrement Evis prend coup de roche tout et c'est pas moi même qui a incendié Evis incendié Caribbean Craft incendié donc Caribbean Craft c'est plus grave que Kaiser computer you lapide you prend tout à fait mon ça veut dire route travailleur qui est un pile monde dans secteur privé qui prend frappe et qui pas rien pour avec ni pouvoir ni opposition et c'est eux même qui subit donc pas ta pour on bail comme ça définitivement moi contre nous sont comme du secteur privé moi gain business dans pays maintenant moi veux dire c'est pas moi même qui a fait appel à la violence. Moi crois plus fort dans nous ouais, on vidéo qui a passé sur tout réseau yo, on membre qui en temps pouvoir journée aujourd'hui a cap mandé peuple à faire violence. Qui est nous tout ouais vidéo ça. Qui est ah pas fait ça ouais vidéo non, mais non. Non, mais qui de qui est-ce parlé? C'est le public. On monsieur Eudes Lajoie que fait nommer directeur non arrêté présidentiel qui n'a en vidéo que le fait avec nous quoi Teddy Mbasson Junon et vidéo en ligne non ah, moi quoi que tout le monde ouais oui qui est-ce qui a prôné violence tout le monde ouais OK oui. Maintenant soit faire financer moi vidéo ça OK comme pas bon pas actif ces derniers temps maintenant soit faire financer mouvement la rue et ou pas répondre à aspect ça attendez c'est la chose la plus facile d'accuser des gens c'est dans ça moun ça le fort. Et c'est pour ça qu'il a échoué chaque fois. Il a cherché bouc émissaire parce qu'il a échoué. Il n'a pas besoin de chercher bouc émissaire. Si je finance là, oui, si c'est vrai que je finance, c'est arrêter pour venir arrêter. Il faut avoir une preuve dans même. L'État, c'est l'État qui paye, il a chaque centime que je mets de copme. C'est dans le PNC. Il faut aller après chaque goutte que je paye. Je paye gaz, je paye payroll, je paye banque, je paye employé, je paye tout. C'est trop facile de dire n'importe quoi sur n'importe qui. C'est trop facile. Okay. Maintenant, M. Boulos, son homme du secteur privé, moi, félicite M. pour position la prendre. J'ai pile respect pour M. parce qu'il a courage de prendre devant. Mais je n'ai pas d'alliance avec M. Boulos. Non, ce n'est pas vrai. Nous parlons deux ou trois fois par WhatsApp. Nous pouvons jamais rencontrer même une fois. Je ne crois que je ne suis pas dans la troisième voie moi-même. Et moi, gagne une position PAM. Nous sommes homme du secteur privé d'abord. Pourquoi accepter engager dans la politique et pure, même là, M. Boulos,
beaucoup décidé, m'a comme si demain en vie m'a fait. Pour le moment, moi pas un politicien actif. Moi son homme d'affaires qui veut impliquer moi pour pays me changer. Mais nous pas gagne une familiale, belle famille, non, aucun. Bon, nous gagne une familiale de loin. Oui, moi marié avec mon fils Koulos, qui c'est cousine monsieur de deuxième ou troisième degré, mais nous pas proches, ni yo pas proche non plus tout. Donc oui nous gen, on ka di nous gen ça comme lien mais c'est pas un monde que me proche li son monde que moi connais tant qu'on pile l'autre monde son monde que nous parlions deux fois par WhatsApp mais bon dit pas c'est pas un monde qui connait la caille moi pas qu'on a la caille il m'a invité dans fête li m'a invité dans fête li donc il y a pas vraiment de relation entre moi même et monsieur Boulos. Maintenant deux dernières questions sous deux points qui intéresse certains monde, je présume. On nous prend le cas du secteur privé. Moi, ouais, où tu es très actif sur Twitter après annonce démission monsieur monsieur Bernard Crane qui te prend qui t'a dirigé forum économique secteur privé là. Le forum là tu as une difficulté pour te sortir une note sous conjoncture là. Et moi t'ai dit ben là, pas qu'à continuer comme ça. Jeune garçon secteur privé qui progressiste, ce ne sont pas exactement vos mots, mais c'est comme ça, me comprenez ni. Faut que vous step up, faut que camper pour que vous changez l'image secteur privé. Hein. Parce que ben là, pas qu'à continuer comme ça. Qui grille faut gagner par rapport à secteur privé hein, avant de poser une deuxième question sur les vrais problèmes qui viennent dans le pays. Bon, premier grief, mais par rapport à structure ça du secteur privé, parce que pas voulez nous dire secteur privé. Secteur privé a son quantité de monde inclus. Ou même qui n'a radio, qui n'a pas tenu compte de vous comme secteur privé. Et je dis, nous faisons un cadeau secteur privé. Non, il n'y a pas secteur privé. Il y a une structure dans le secteur privé qui est mal montée, mal organisée. Parce que il n'est pas représentatif de la majorité du secteur privé. On parle de forum là? On parle de forum économique là? On parle de forum là et de tout organisme, de tout différents chambres et tout. Okay. Qui n'est pas représenté la majorité du secteur privé. Dans plusieurs sens. Un, en termes quantitatifs, deux, il n'y a pas de chita avec vos compositions. Il y a pris une décision dans non tout secteur privé, mais pas vraiment de rencontre qui fait avec la majorité. Qui dernière fois, une grosse réunion de 300-400 personnes du secteur privé qui chita en côté pour parler de pays, pour parler de, du budget, pour parler de loi, pour parler de quai. Donc, une institution importante pour le secteur privé n'est pas bien organisée. Donc, nous te fait remarque ça, M. Bernard Crane, dernièrement, nous te rencontré, qui te venu, nous te invité pour m'entrer dans le forum économique. Là, et nous te dit, monsieur, nous n'avons pas intéressé à entrer, tout autant nous pas corrigé dans le secteur privé. Maintenant, deuxième grief dans le secteur privé, c'est que nous n'avons pas parlé pour cette population. Nous n'avons pas parlé pour petit dans le secteur privé, et nous n'avons pas parlé pour le peuple. Ou pas qu'à dire, une loi sur le salaire minimum qui passait, nous n'avons pas respecté. Ou pas protéger l'employeur pour l'embrouiller. Ou pas prendre une décision pour dire, bon, à partir de aujourd'hui, si vous ne respectez pas la loi, je vais faire grève. Pour protéger l'employeur, c'est où patron. Faut que vous protégez la boîte, vous les l'eau, vous pouvez mettre comme la donne, ou tout politicien ne va pas lever, vous y allez avant. Comme la supposée pour employer. Comme on veut dernièrement, c'est pour ça que vous l'embrouiller. Et c'est un des problèmes que vous avez, vous parler, vous dites des vérités, vous parlez tant de. Dans ONA, employé mal font prêt, dans ONA, ils chargent 22% taux d'intérêt sur l'employé. Et puis, on moun passe par en bas, ou je nous prêt à 3%, ou à 5%, ou à 6%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Pour qui ça forum n'a pas dénoncé par ça? Pour qui ça association secteur privé n'a pas défendu l'employé? Bernard Crane exprimé le sous-sujet ça avec moi dans le Nouvelliste. Et il prend des positions, monsieur Sassine tout prend des positions, mais je me rends peut-être à l'évidence, c'est un constat, que parole responsable d'association SAO, il n'y a pas de poids parce qu'il n'a pas réussi à changer rien par rapport à la pratique. Mon cher, excuse-moi, oui, je dois donner ça. Effectivement, depuis peut-être 8 mois ou 1 an, monsieur Bernard Crane a fait une grande différence à l'intérieur du forum économique. Et c'est peut-être pour ça que la population te baille secteur privé en souffle. C'est parce que vous t'étendez
que M. Sautap Goumen, il était fait rencontre avec syndicat, il était chita avec secteur populaire, il était fond. J'ai oublié cette partie et c'est vrai que M. Kan a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, les ils apprennent que Bernard Kan retire l'école parce que il y a des l'autre monde qui t'a empêché M. continuer dans la même direction. On a vu que griffe population sorti encore, ils ont pensé secteur privé c'est mieux encore. Donc M. Kan a fait ce pas, vous avez raison. Mais ce n'était pas d'habitude, dans l'habitude du secteur privé. Mais on n'a pas changé. On n'a pas changé, Dimitri Bob. C'est comme quoi son président de l'association qui n'a pas de poids et. Qui a prêché dans le désert. Qui a prêché dans le désert et reste membre au pas accompli. Et les grands groupes économiques, les grands groupes qui ont créé un plan dans le pays, ils n'ont pas accompli. C'est compréhension, ça, c'est mon mien. On n'a pas besoin de question encore. Non, où est pour nous okay. Où est pour nous griffe, mais bon. C'est ça, vous avez comme conception tout? Claire? Claire, c'est ça ma conception. Et c'est mon problème avec ce forum-là. C'est ça mon problème. Il plus semble la défendre l'intérêt de nous, des mouns, au lieu que la défendre l'intérêt en majorité. Okay. C'est clair, oui. Et maintenant, si Ben Absoli est arrivé, il faut nous remercier pour votre disponibilité. Et souvent, nous entendons ici que mon gars dit ah, c'est politique 5 pour entendre. Bah, ça, c'est blague. Parce que souvent, politiciens sont au service de. Et au service de groupe politique, de groupe économique, pardon, qui a des intérêts de clans que a défendre qui pas nécessairement inscrit dans dynamique de création de richesse pour tous, de redistribution de la richesse, d'équité sociale et d'égalité sociale. On nous dit comme ça, on dit plus d'équité sociale. Et comme quoi, si pour moi, un corps vrai pour payer apaisé, c'est pas politicien pour le faire, c'est gros babine dans le secteur privé, hein, qui vous suspend dans la mauvaise pratique d'opacité, d'évasion fiscale, de contrebande et d'utilisation de l'État pour consolider des monopoles et des oligopoles, pour inscrire une dynamique progressiste, respect la loi, transparence quant à accès au marché public et aux commandes publiques. Est-ce qu'on croit que lecture ça, pour que l'État qui est libéré, l'État qui a joué un rôle régulateur, il est nécessaire pour que c'est dans niveau ça que monsieur dans le secteur privé accorde tête pour changer sept pays et bail pays un nouveau drive et mon cher, encore une fois on pas quoi secteur privé a tout ça là donne il va gagner tout niveau ça il va arriver juste là c'est juste si intérêt direct par yo pour le moment que nous devons régler m'ba ouais il tout plan ça un plan. Il n'y a pas de tout plan, ça. Ce n'est pas correct. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Je vais aller plus loin. Si c'était le cas vraiment, est-ce qu'on pense que pendant 3 ans que ça a passé, il a créé un monopole d'État sur la fait gaz. Il va quitter le libre, marché à libre. Est-ce qu'on pense qu'il a entré dans la dédollarisation? Il va quitter le marché à libre. Est-ce qu'on pense qu'il a Il a crasé toute compagnie de construction qui est sous marché à l'eau. Il a pas de compagnie de construction qui travaille pour l'État qui part en faillite. Il a crasé tout. Il a créé une caravane de changement. Il a éliminé l'autre. Il a foncé. Moi, pendant 2 ans et demi, 3 ans passés là. Au contraire, c'est contre les intérêts économiques du pays seulement que l'État travaille. Contre seulement la majorité de sacs économiques qui ont été grissés, ils existent encore, ils ont faillite. La grande majorité. Donc, c'est beaucoup et les politiciens ont joué à monter la tête de la population contre le secteur privé. Ils ont même, excusez le mot, comme imbéciles, ils ont quitté Eiffel. Parce que je dis à ceux qui ont payé facture, ils ont fait comprendre. Pas qu'un secteur privé qui a contrôlé le pouvoir, ça là. Certainement pas. Ils ne vont pas prendre l'autre de mes mondes, ce n'est pas vrai, c'est faux. Si quelqu'un qui pensait, les chefs là, jamais été menti. C'est au détriment du secteur privé que le pays avance aujourd'hui. Mais le monté de tête population contre le secteur privé. Mais yo même pas. Pas de monde dans le secteur privé qui a bénéficié de pouvoir ça, Dimitri Vob. Oh, Bataka dit ça, mes amis. Bataka dit grosse parole aussi là. Mais, mes amis, on monde dans le secteur privé n'a pas qu'à représenter tout le secteur privé. Il y a des fois sur Twitter, mon yo comprenne. Non mais justement, si attendez une seconde. Privé, attendez une seconde. C'est là la question. Protéger ou assurer des monopoles et des oligopoles garantit intérêt en cartel ou en petit groupe alors que pays a moi-même comme citoyen yo
envie ouais un secteur privé et des affaires qui gagne des groupes financiers là dedans qui gagne des groupes dans agro et agroaliment et dans différents autres domaines qui a impulsé société a qui a bail société a drive qui a mené société a qui sorti dans l'économie de rente qui sorti dans l'économie de rente là qui a encouragé recherche qui a encouragé investissement qui a encouragé et on l'autre forme et de financement alternatif ou de financement qui a créé de la valeur ajoutée pour que y ait plus monde qui riche. Est-ce qu'on pense que mode l'État ça nous gagne là yo dans logique soit là pour qu'ils soient pas penser que mode l'État nous gagne là c'est eux même cap tordier pour le secteur privé pour l'avancer dans direction bon pour eux à tout pour qui raison nous penser que c'est secteur privé qui veut descendre l'État pour qu'il à leur disposition c'est pas vrai. Si l'État plus puissant, pays a plus copié, plus riche, le secteur privé a fait plus copié. Et n'importe qui a l'école. L'on n'a pas investi pour le Premier ministre Monté. L'on n'a pas assuré bon rapport avec un président, bon Premier ministre. Est-ce que c'est pour ses beaux yeux? Oh, certainement pas. Probablement, c'est l'équipe qui travaille. Je t'ai bien dit, oui. Mm-hmm. Ou pas qu'à mettre tout le secteur privé à un même panier. Et c'est ça le problème avec Haïti. Parce que yon nous deux ou trois moun dans le secteur privé, c'est des vacabons. Nous pas arrêter de nous verser tout le secteur privé à Gadon. Faut faire attention. Ou même tout son secteur privé. Dans pile petit jeune de le secteur privé, yon ne doit pas avoir accès à volume ça vous a gagné. Nous pas faire le secteur privé à cadeau. C'est pour ça que je dis, il faut les jeunes progressistes du secteur privé pour mettre tête yon dehors. Oui, mais États-Unis, yon secteur privé, mais gagne des gros corporates, gagne de grosses compagnies qui donne le ton, qui donne le là à l'économie, qui donne le là à la société, qui donne le là à la formation professionnelle, qui donne le là aux études supérieures. Qui joue cabaye le là à l'économie en Haïti, l'on compagnie française investit 300 millions de dollars en Haïti, et puis du jour au lendemain, l'État est tenu, il dit, ou pas doit faire des produits, encore c'est moi qui ai monopole d'État. Saisi tribunal. Ah, oui. Ça, monsieur, vous savez aujourd'hui le niveau de notre justice en Haïti. Nous connaissons ça lié. Nous connaissons qui s'en a vivre dans les zodiacs. Donc, on ne va pas chercher à essayer de blâmer un secteur. Non. Ce n'est pas la finalité. Non, on essaie de comprendre. Laisse-moi te dire pourquoi. Oui. Parce que j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé à la population qui est sur pensée, qui est responsable de ta pays aujourd'hui. Et la majorité dit que c'est le secteur privé. Donc, dans cette population. Malgré c'est pas secteur privé qui président, qui sénateur, qui député, dans tête payo, yo même qui en. Mon sort dit là, secteur privé a pas campé en côté population sous salaire minimum, sous gestion ONA et d'autres points comme quoi mon yo en vase clos. Non attends, le silence, la non solidarité, l'absence de création de lien, l'empathie, ramasser combal pour assurer que le sorti dans pauvreté pour que ce ne soit pas la pauvreté qui dans tête mon yo. Justement, Dimitri Vob. Parti ça, sûr, il faut l'assumer ou pas? Mais bien sûr, ils ont leur part de ces responsabilités. Mais c'est pas eux même qui mettent pays en état ça. C'est pas eux même qui n'ont pas de pouvoir. C'est pas eux même nous voter pour nous mettre là pour diriger pays. Donc, ils ont leur part de responsabilité. Maintenant, je ne veux pas qu'on généralise. Parce que Dimitri Vob non, son génère, Dimitri Vob pas dans l'autre business. Yo. Ça, l'autre business yo a fait, c'est pas moi-même. Les gens qui ont joué machine blackout. Si vous l'autre nèg secteur privé qui vini, yo joue le tout, yo dit nous même tout, machin blackout. Pour yo même c'est même pour yo, pas bien connu, non? Quel vob, quel XYZ, des bien secteur privé, même moun. C'est ça, oui, la perception de la population dans sa tête, la grande majorité. Dimitri Vob, merci un peu pour disponibilité, Dimitri Vob. Bon, pendant que tu as parlé là, il y a un directeur général, on a acteré là, Chesnel Pierre, qui soulignait l'administration par là, et vini, il était jeune intérêt à 18%, limité à 6%. Donc, pour qu'on y a là, selon ça, Chesnel Pierre souligne pour nous notre téléphone, il y a notre livre pour nous là pour préciser ça. C'est à 6% intérêt à y pour tout le monde. C'est ça l'hypothèse comme précision. Merci en pile. Effectivement, l'homme était plein pour ça, il y a un an et demi ça. Quelques mois après, moi, oui, monsieur était bécile, effectivement. Mais samedi à correct, employé l'ONA, tu as payé 18%, moi-même, j'ai preuve 22%. Moi-même. Ok. Moi, j'ai papier à montrer nous, j'ai preuve de 22% à un certain moment. Je ne pas dire c'est monsieur ça que tu fait ou non. Je dis monsieur merci de ce que vous mettez là 6% parce que employé, je me connais, je vous dis,
Maintenant, en une minute, et dernière question pour finir l'interview, comment est l'avenir immédiat du pays? L'avenir immédiat du pays, qui j'aime? Bon, moi, je que nous avons une position idéale pour que le pays a changé, parce que tout le monde a genoux et tout le monde voit que le pays n'a pas continué comme ça. Donc, tout le monde dit que ce système n'est pas bon, il veut accuser le système, n'est pas un problème, on accuse, mais on profite de corriger. On profite de corriger pour tout le monde. Parce que le pays a l'op depuis très longtemps, le peuple a l'op depuis très longtemps, le peuple n'a pas travaillé depuis très longtemps. Donc si nous sommes tous conscients, on met ensemble pour changer le pays, on ne pas quitter ces blancs obligés de mettre dans la tête pour nous faire. On pas pour personne, on pas contre personne. Moi pour le pays a changé, moi pour le peuple a joué dans le meilleur pays, pour le cas de l'école, pour le cas de travail, pour le cas de acheter pâté, pour le cas de acheter gâteau, pour le cas de l'hôpital, vous voulez aller, pour le cas de cinéma, pour le cas de vivre dans le monde de manière décente. Moi, c'est ça que m'a demandé. Donc, on met tête nous ensemble pour nous faire ça. Au moins, ça, on fait. Merci à vous, Dimitri Vob. Bonne journée. Merci, passons bonne journée. Au plaisir.